Donc, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire des Idées Mènent le Monde. Et j'ai donc le grand plaisir et l'honneur de vous présenter, ou de vous annoncer plutôt, mon collègue Philippe Ducas, qui enseigne la philosophie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, spécialiste donc de philosophie morale et politique. Et ce qui vous donnera aujourd'hui, ce sera une introduction à l'éthique de Spinoza, avec le titre qui me plaît et qui m'inspire beaucoup, du bon usage des passions. Et je lui passe le flambeau. Merci Caroline de cette présentation et de m'avoir pris sous ton aile. Et merci à vous d'être là. Je parlerai de Dieu, naturellement, mais surtout de l'homme, sous plusieurs angles. Son asservissement passionnel, quasi universel, sa libération éthique, possible mais difficile à obtenir, et son émancipation politique, encore plus improbable, ou en tout cas purement éventuelle. Chemin faisant, j'aurai toujours présente à l'esprit une phrase qu'on trouve dans la quatrième partie de l'éthique, c'est dans la démonstration de la proposition 21, et qui est, je cite, « le désir d'être heureux, de vivre heureux, c'est-à-dire de vivre bien et d'agir bien, constitue l'essence même de l'homme ». Voilà qui me paraît être une bonne invitation à la lecture de l'éthique, sinon une introduction à l'éthique elle-même. En tout cas, c'est une formulation assez claire et à la portée du plus grand nombre d'esprits du projet de libération qui est celui de Spinoza. Et je voudrais aussi avoir présente à l'esprit une phrase qui se trouve au début du livre de Frédéric Lordon sur la politique des affects et qui précise que s'il y a quelque chose qui mène le monde, ce ne sont pas les idées, mais les complexes que des idées forment avec des affects qui les véhiculent, ce qui n'est pas exclure une influence indirecte des idées sur le cours du monde, mais une façon d'affirmer, dans le champ du politique aussi bien, et pas simplement celui de la vie morale, le primat absolu de l'affectivité sur les autres registres, en quelque sorte, de déploiement de l'essence de l'homme. Donc un exposé en trois parties. Commençons par évoquer ce que j'appelais l'asservissement passionnel de l'homme. J'ai voulu qu'on parle de Spinoza plutôt que de Descartes ou plutôt que des stoïciens, parce qu'il me semble que ce qu'on trouve dans l'éthique, publié après la mort de Spinoza en 1677, mais c'est un livre qui était déjà très célèbre avant sa publication, mais son auteur voulait avoir la paix, rester en vie, éviter le bûcher ou une nouvelle tentative d'assassinat, donc il ne l'a pas publié de son vivant. Ce qu'on trouve dans l'éthique, c'est, à ma connaissance, l'approche philosophique la plus subtile et la plus complète de l'affectivité. Il n'y a guère d'équivalent plus tôt dans l'histoire de la philosophie, sinon peut-être la rhétorique d'Aristote, et il n'y a, à ma connaissance, pas d'équivalent postérieur, sinon Freud. Mais voilà, entre Aristote et Freud, pour penser à fond l'affectivité, il me semble qu'il n'y a guère que Spinoza. Et alors, pourquoi est-ce que son approche est si philosophiquement légitime, stimulante, intéressante? C'est parce que Spinoza intègre l'homme à la nature, insère l'homme dans l'ensemble de la réalité, et n'oppose pas l'âme au corps, n'envisage pas que l'esprit soit la marionnette ou l'otage du corps, ou qu'il puisse, au contraire, exercer une sorte d'empire sur son corps. Parce que Spinoza considère d'abord que, comme il le dit, l'ordre et l'enchaînement des idées sont les mêmes que l'ordre et l'enchaînement des choses. Donc il n'y a rien qui se passe, par exemple, au niveau du corps qui n'ait son équivalent dans l'esprit. Mais il ne se pose pas les problèmes compliqués sur lesquels Descartes a beaucoup transpiré, relatifs à l'union du corps et de l'esprit, tout simplement parce qu'aucune possibilité, disons, de
coordination extrinsèque de deux substances distinctes l'intéresse Spinoza, non plus que l'hypothèse d'une causalité directe de l'esprit sur le corps ou du corps sur l'esprit. Simplement, il y a une corrélation stricte entre ce qui arrive au corps et ce qui se produit dans l'esprit. Il y a comme un système de traduction simultanée sans texte original. Et donc, voilà, on recherche et on peut trouver en permanence l'équivalent entre processus psychique et processus corporel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule réalité, hein, et que de cette réalité unique, mon corps et mon esprit sont comme des fragments, ou comme il le dit, des domaines, soumis aux mêmes lois que le reste des étangs qui composent cette réalité, intégrés à la même causalité qui obéit à des lois générales et qui ne connaissent pas d'exception. Et du coup, il n'y a qu'à observer, finalement, comment ces réseaux de causalité s'enchaînent. Alors, il y a, de ce point de vue, au niveau de... Puisqu'il y a cette corrélation entre le corps et l'esprit, on définit l'esprit, comme le dit Spinoza, comme étant l'idée du corps. Hein, tout ce qui affecte le corps, toutes les affections éprouvées par le corps, ont un corrélat dans l'âme, sous forme précisément d'affects, par exemple, hein, qui sont pour les uns des passions et qui ne sont pas tous des passions, parce qu'il peut aussi arriver que l'esprit s'affecte lui-même. Et c'est là-dessus que j'insisterai le plus. C'est l'idée que l'affectivité n'est pas réductible aux passions. Il y a des affects qui sont des passions, c'est-à-dire qui sont subis par l'âme, qui sont l'effet d'une causalité extérieure. Et puis, il y a des affects qui sont, en quelque sorte, des actions, Spinoza emploie le terme, qui donc découlent de l'usage par l'âme de son pouvoir de pensée. Alors, en se situant sur ce plan-là, on peut considérer qu'il y a trois affects primaires pour Spinoza, qui sont le désir, la joie et la tristesse. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut placer, me semble-t-il, le commencement de l'analyse des passions. Alors, c'est un vocabulaire qui est aujourd'hui en train de se répandre. Hein. Ceux qui nous gouvernent, pour l'heure en tout cas, opposent volontiers les passions tristes et les passions joyeuses. Hein, les passions tristes de ceux qui ne sont rien, les passions joyeuses de ceux qui ont réussi leur vie. Donc nous sommes invités, y compris avec des arrière-pensées politiques, à envisager les passions de l'homme sous cet angle de l'alternative entre la joie et la tristesse. Alors, ce sont les affects primaires et ils traduisent donc quelque chose qui se passe au plan même du corps. La joie et l'émotion de l'âme correspondant à l'expérience d'un accroissement de la puissance d'agir du corps. Autant dire que c'est parce que nous sommes plus, hein, tout simplement, enfin, on pourrait formaliser en ces termes ontologiques, parce que nous acquérons, comme le dit Spinoza, plus d'étentité, hein, parce que nous sommes provisoirement au moins un étang qui est davantage, c'est pour cela que nous éprouvons de la joie. Et inversement, la tristesse est l'expression affective d'une sorte de déperdition d'existence, ou comme il dit, d'étentité, hein, c'est la trace émotionnelle, la conséquence émotionnelle d'un moindre être, d'un passage à une moindre perfection, c'est-à-dire, pour Spinoza, à un moindre degré de réalité, ou encore un moindre degré de vertu, parce que pour lui, réalité, perfection, vertu, tout ça, ce sont des termes largement interchangeables. Alors du coup, on pourrait croire que l'éthique de Spinoza est assez simple, voire schématique, que toutes les passions joyeuses sont bonnes et que la tristesse est toujours mauvaise. Alors c'est vrai pour la deuxième partie, il n'y a pas de bonne tristesse, puisque la tristesse est, par le fait même, hein, la traduction dans l'âme d'une affection du corps qui fait mal au corps ou qui limite pour lui le champ des possibles ou qui lui cause un amoindrissement de sa puissance. Donc il n'y a pas d'éloge possible de la tristesse.
Et voilà pourquoi l'éthique est aux antipodes de la superstition. Les superstitieux sont des gens qui réputent bon ce qui rend triste et souvent qui réputent mal ce qui apporte la joie. Bon, en général, c'est plutôt en sens inverse qu'il faut envisager les choses et la tristesse n'est jamais à encourager ou à favoriser. Mais ce n'est pas pour autant que la joie est toujours bonne. Alors, il faut distinguer de toute manière entre la joie qui est une passion et la joie qui est une action. J'y reviendrai. À partir de là, Spinoza a en quelque sorte listé les affects secondaires ou composés, hein, qui sont des dérivés de la joie ou de la tristesse. On peut ainsi distinguer l'amour, qui est une joie accompagnée de l'idée d'une chose extérieure, la haine, qui est une tristesse accompagnée de l'idée d'une chose extérieure. On peut aussi opposer la gloire et la honte. La gloire, c'est la joie qu'accompagne l'idée d'une chose que nous avons faite, et la honte, la tristesse, qu'accompagne l'idée d'une chose que nous avons faite et qui nous a nui ou qui a nui aux autres. On peut distinguer la générosité et la pitié. La pitié est toujours mauvaise, puisqu'elle consiste à sympathiser avec une forme amoindrie, souffrante, maladive de la vie. Donc la pitié, c'est l'amour pour c'est la sympathie avec un autre que nous aimons et à qui il a été fait du mal. En revanche, on dira que la générosité consiste à sympathiser avec une forme, je dirais, ascendante de la vie et à vouloir le bien, non pas de ceux qui souffrent et qui vont mal, mais à vouloir le bien de ceux qui vont bien. Et d'emblée, Spinoza a détecté que la plupart, en tout cas ceux qui sont esclaves de leur passion, sont beaucoup plus enclins à sympathiser avec ceux qui souffrent qu'avec ceux qui vont bien. La générosité est beaucoup moins répandue que la pitié. En général, nous plaignons ceux qui souffrent. C'est déjà pas mal que nous ne nous réjouissions pas de leur souffrance. Mais en général, nous sommes tout aussi enclins à haïr ceux pour qui ça va, en particulier quand ça va mieux pour eux que pour nous, qu'à plaindre ceux pour qui ça ne va pas. On pourrait poursuivre comme ça la composition des affects et le passage en revue des vices et des vertus, qui ne sont pas autre chose, vous l'aurez compris, que des émotions de l'âme. Distinguer par exemple et opposer l'allégresse et la mélancolie. La mélancolie est une sorte de tristesse globale qui découle d'un déficit, d'un passage à un moindre degré de perfection ou de réalité ou de puissance pour le corps tout entier. Et l'allégresse est son symétrique et opposé, c'est la joie qui naît d'un état de perfection qui s'améliore pour le corps tout entier. Mais ce qui va vous montrer que la joie n'est pas toujours bonne et que la tristesse n'est peut-être pas aussi universellement mauvaise que j'ai semblé le croire tout à l'heure. C'est le complément qu'apporte Spinoza à l'étude des rapports entre l'allégresse et la mélancolie quand il parle du chatouillement et de la douleur. Le chatouillement est une sorte d'allégresse locale. Il y a un organe ou un ensemble d'organes du corps qui est plus particulièrement affecté de sensations voluptueuses, si on peut dire, et du coup l'âme, parallèlement à cela, éprouve cette joie associée à l'idée de telle ou telle partie du corps qui est stimulée de façon particulièrement voluptueuse. Or, le risque, c'est que la sollicitude, l'intérêt accordé à cette partie du corps devienne excessif, voire obsédant, et que du coup, on n'ait pas conscience que telle ou telle forme d'allégresse est procurée par des affections du corps qui nuisent à l'ensemble, ou qui n'apportent de satisfaction à un organe ou un ensemble d'organes qu'au détriment d'autres. Donc, il peut y avoir une focalisation excessive sur le foyer de la volupté et on ne prête plus attention aux dommages que le corps subit par ailleurs. Idem, la douleur peut, quoi que ce soit,
une tristesse associée à l'idée d'une affection du corps ne pas être mauvaise, puisque c'est précisément parfois un avertissement que le corps se lance à lui-même et dont l'âme est aussitôt informée, bien sûr. C'est une façon de dire qu'il y a tel organe auquel il faut apporter une attention particulière, et c'est en quelque sorte un rappel à l'ordre. Donc ces petits exemples suffisent à montrer que les passions ne sont pas toutes bonnes ni toutes mauvaises, qu'en règle générale, il vaut mieux préférer la joie qui correspond à un mieux-être ou à un plus d'être, et que de ce fait, nous avons raison de rechercher l'utile, c'est-à-dire ce qui peut accroître notre puissance d'exister corporelle et le sentiment psychique de cette puissance d'exister. Alors pourquoi parler quand même d'asservissement passionnel et consacrer la quatrième partie de l'éthique à l'évocation de ce qu'il appelle la servitude de l'homme ? Eh bien, c'est que nous nous ressemblons fort, suffisamment en tout cas pour désirer les mêmes choses, lors même que nous ne pouvons pas tous les avoir. Donc Spinoza appelle imitation des affects, ce qu'on a appelé dans la psychologie du XIXe siècle la contagion affective, le fait que lorsque nous imaginons ou percevons qu'un autre aime une chose que nous n'aimions pas particulièrement, eh bien nous allons aimer cette chose. Lorsque nous nous apercevons qu'un autre qui nous était indifférent nous aime, eh bien nous allons être enclins à l'aimer. Lorsque nous nous sentons haïs, nous allons éprouver la haine, et ainsi de suite. Donc cette imitation des affects tient à ce que nous avons des natures semblables, mais en même temps, chaque corps n'est qu'un mode fini de l'étendue, chaque esprit n'est qu'un mode fini de la pensée, et comme chacun d'entre nous est fini, nous pouvons ne pas convenir entièrement en nature. Et cela se produit en particulier lorsque tel ou tel d'entre nous aime une chose dont il est le seul maître, ou dont, en tout cas, nous ne pouvons pas partager la propriété et l'usage. À ce moment-là, nous allons devenir envieux, et puis celui qui possède déjà la chose que lui envient les autres, eh bien, il va devenir jaloux. Et c'est comme ça que, étant suffisamment semblable pour désirer les mêmes choses et suffisamment différents pour ne pas avoir la même vie affective, c'est comme ça que les êtres humains vont ne pas convenir en nature, comme dit Spinoza, c'est-à-dire entrer en discorde. Et leurs passions sont pour beaucoup dans le déchaînement de l'hostilité entre ces êtres humains. Voilà pourquoi, y compris au plan politique, nous sommes toujours menacés de passer de l'état civil à l'état d'hostilité, comme le dit Spinoza. Alors, quelques mots en deuxième partie sur la libération éthique, sur les efforts que nous pouvons faire et que Spinoza nous invite à accomplir pour, alors, non pas nous purger des passions ou nous rendre complètement maîtres de nos passions, parce que ça n'est pas possible. Aussi longtemps que nous avons un corps, que celui-ci est soumis à des affections, que ces affections se produisent de manière au moins en partie imprévisible, aléatoire, malvenue, eh bien, nous éprouverons des passions. Mais il y a des efforts possibles pour encourager les passions joyeuses au détriment des passions tristes, et surtout, je crois que c'est ça la vraie priorité pour Spinoza, pour pâtir de moins en moins et agir de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on peut juguler certains des effets néfastes des passions, en tout cas de celles des passions qui sont néfastes, et se libérer progressivement. En sachant qu'il ne s'agit pas de substituer l'activité à la passivité, il s'agit d'être de moins en moins passif et de plus en plus actif, mais un résidu de passivité demeurera toujours, néanmoins. Et il ne s'agit pas non plus de devenir de plus en plus intellectuel et de moins en moins corporel. Bien au contraire, le corps comme l'esprit ont trait à l'affectivité. Simplement, ce qui dépend de nous et ce qui constitue le travail éthique sur soi, c'est une réforme
de l'affectivité. Mais de même que, si vous voulez, on ne peut pas juguler l'imagination, on ne peut pas la neutraliser, mais on peut la faire travailler dans une perspective qui la place à l'appui de la pensée, par exemple, plutôt que de l'illusion ou de l'erreur. Eh bien, de même, l'affectivité doit être employée conformément à l'exigence éthique, c'est-à-dire la recherche d'un plus d'être ou d'un mieux vivre. Alors, dans la cinquième partie de l'éthique, en tout cas dans la première division de cette, la première subdivision de cette cinquième partie de l'éthique, les 20 premières propositions, on trouve une dizaine de règles dont Spinoza pense que l'application n'excède pas nos capacités, même si, évidemment, il nous invite à une réforme assez consistante de notre manière de vivre. Alors, la première de ces règles, ça serait de s'habituer à éloigner les émotions de l'âme de l'idée d'une cause extérieure. Détachons un petit peu notre attention de l'amour d'Albertine et intéressons-nous à cet amour que nous ressentons. Donc, ça c'est... il semble que ce soit possible de, dans quelque sorte, opérer une espèce de conversion du regard qui ferait qu'on s'intéresse moins à l'objet aimé qui est extérieur et qui, si ce n'est Dieu, est un objet muable, souvent d'ailleurs capricieux, changeant, que d'autres convoitent également. Donc si l'amour, ça n'est que l'attachement fétichiste à l'objet, il est fort à craindre qu'il soit facteur de tristesse. Albertine est morte. Donc, retournons en quelque sorte le regard et focalisons-nous sur cet amour que nous éprouvons, qui est en nous, qui dépend davantage de nous que les bontés d'Albertine. Donc, éloigner notre émotion de la pensée d'une cause extérieure, ça n'est pas, encore une fois, atténuer cette émotion. Ça peut au contraire conduire à en faire un objet d'observation, d'investigation, mais c'est une façon de se focaliser sur les aspects de cette passion amoureuse et sexuelle qui dépendent de nous et qui sont susceptibles de nous affecter sous la forme de la joie. Deuxième règle, et c'est peut-être la plus importante, c'est que, d'après Spinoza, une passion cesse d'en être une, si on s'en fait une idée claire et distincte. Alors pourquoi ? Parce que, par définition, une passion, c'est une idée mutilée et confuse. La passion éprouvée par l'âme, c'est l'idée qu'elle se fait d'une affection de son corps, ou du corps auquel elle est liée indissolublement. Mais le corps reçoit des impressions qui sont mutilées, puisqu'il n'est qu'un fragment de la réalité étendue, qui sont confuses parce que le corps ne se connaît pas lui-même à fond et pas davantage l'esprit ne connaît-il très bien le corps. Donc, en se formant une idée claire et distincte de ses passions, on va moins en pâtir. Et là encore, j'ai envie de convoquer Proust parce que le travail qu'accomplit le narrateur de La recherche du temps perdu, à partir du moment où précisément Albertine est morte et où le projet littéraire prend forme, c'est un travail d'élucidation, non pas tellement d'ailleurs de ses états d'âme particuliers, mais de l'essence même de l'amour. C'est comme ça qu'il parvient à survivre au deuil et même à faire œuvre. Tout simplement parce que plus l'affect est connu, mieux l'affect est connu, et moins on est affecté par lui. Alors, est-ce que pour autant il baisse tout simplement d'intensité. Mais non, pas forcément, mais c'est au moins parce que l'affect en question apparaît toujours accompagné désormais de l'idée claire et distincte de cet affect. Et donc, cette idée va nous affecter autrement que la passion elle-même. Donc on a cette mécanique, si on peut dire, ce système de compensation. La grandeur de Spinoza, c'est d'avoir compris les limites du pouvoir de la raison, d'avoir compris que les idées vraies n'ont pas en elles-mêmes le pouvoir d'engendrer des passions ou de supprimer des passions,
mais que les idées vraies nous affectent et que cette puissance qu'elles acquièrent ainsi sur nous peut contrebalancer celle des affections qui viennent de l'extérieur. Quatrième règle qu'il préconise, c'est de prendre conscience de la nécessité des choses qui nous passionnent, si j'ose dire, en tout cas envers lesquelles nous éprouvons des passions. La chose nous affectera d'autant plus que nous la considérons comme libre, ou comme contingente, ou comme possible. Aussi longtemps que j'ai l'illusion que les caresses d'Albertine sont les seules à pouvoir m'apporter la volupté qui me réjouit, aussi longtemps que je procède à ce que Freud a appelé la surestimation délirante de l'objet sexuel, ou Stendhal la cristallisation, eh bien je suis fétichiste, hein, je vénère Albertine comme une idole inaccessible, impassible et à jamais mystérieuse. Donc la compréhension du fait que la chose est nécessaire, que ce qui arrive fait partie de l'ordre du monde, fera qu'on sera moins affecté. Donc il arrive à Spinoza de prendre l'exemple du bébé. Nous serons d'autant moins émus négativement, enfin tristement, par l'état dans lequel le trouve ce bébé, incapable de se mouvoir, incapable de parler, dépourvu de toute une série de commodités dans l'usage du corps qui nous sont accessibles, on sera d'autant moins ému qu'on saura que c'est un bébé et que les bébés sont comme ça. Donc, si l'on était adulte et que ne pas pouvoir parler ou ne pas pouvoir marcher était quelque chose de contingent, là, on serait bouleversé, on aurait pitié de ceux qui sont dans cet état-là. Mais comme tous les bébés sont comme ça, et le demeurent pendant un certain temps, ça nous affecte moins. Idem, il arrive à Spinoza d'en parler, l'agitation des bébés nous cause d'autant moins de désagréments que nous avons conscience que ce n'est pas dirigé contre nous, que ce n'est pas non plus un hasard malencontreux, mais que ça fait partie des conditions nécessaires de leur développement. Cinquième ou sixième règle, je crois que c'est la cinquième, c'est de privilégier les affects qui naissent de la raison, car, d'après Spinoza, ils sont plus puissants que ceux qui proviennent des affections du corps, ou qui traduisent plutôt sur le plan psychique les affections du corps qui se produisent dans la réalité physique. Privilégier donc les affects qui viennent de la raison. Et, je vous l'ai dit, la raison s'affecte elle-même, et c'est pourquoi il y a une délectation prise à la contemplation du vrai, par exemple. Or, qu'est-ce qui est l'objet de la connaissance rationnelle? Eh bien, précisément, ce ne sont pas des choses singulières et contingentes. De toute façon, il n'y a pas de choses contingentes. L'ordre de la nature est absolument nécessaire et les lois de la nature sont immuables. Mais on a souvent l'illusion du contraire. En particulier, quand on en vient à s'imaginer que l'homme est un empire dans l'empire et que Albertine est capable de caprices, alors que tout ce que fait, dit ou pense Albertine est bien sûr entièrement déterminé. La connaissance rationnelle s'applique donc à des généralités. C'est une connaissance par concept, si on peut dire. C'est une connaissance qui a en vue au moins les propriétés communes des choses. Évidemment, le modèle de cette connaissance rationnelle, c'est la mathématique. Mais une éthique exposée sur le modèle de la géométrie vise le même degré de généralité. Et donc, la lecture de l'éthique peut être un bon remède aux passions tristes, naturellement. D'autre part, ces propriétés générales des choses qui sont l'objet de la connaissance rationnelle, elles sont immuables. Il n'y a pas de miracle. On n'a pas à craindre de cet objet-là de passion les mêmes revirements apparents, les mêmes mouvements incompréhensibles, les mêmes atermoiements que de la part d'Albertine. Donc, du fait que l'objet auquel les affects qui naissent de la raison se rapportent est un objet stable, souvent éternel, pensez aux vérités mathématiques, eh bien, non seulement ce sont des affects positifs, s'intéresser à ces objets, les connaître, nous apporte de la joie, mais surtout ce sont des affects puissants et qui tirent de leur permanence une dynamique. L'intensité s'accroît d'autant plus que l'objet est permanent.
Sixième règle, je crois, c'est que l'esprit pâtit moins d'un affect qui l'oriente vers plusieurs objets à la fois. Hein, donc là aussi, on pourrait dire que le simple fait, par exemple, hein, d'avoir reconnu qu'Albertine est une femme et qu'elles sont toutes pareilles, que si c'était une autre, il m'arriverait la même chose. Voilà, le simple fait de comprendre que ce qui me fait souffrir, c'est pas Albertine, c'est mon rapport avec les femmes. Bon, eh ben, déjà, ça fait moins souffrir. Hein, quand on est affecté d'une passion qui renvoie à plusieurs objets à la fois, on est moins affecté. L'esprit pâtit moins. Il y a une espèce de... Alors, ce n'est pas forcément une banalisation hein, de ce qui se produit, mais c'est plutôt la banalisation de la cause de la passion qui fait perdre de son intensité à cette passion elle-même. Septième règle, c'est l'une des plus importantes, à mon avis, c'est de discipliner les affections du corps elles-mêmes. Et donc ici, il faut parler de la manière de vivre, du régime de vivre, de l'hygiène, peut-être même du régime alimentaire, hein, de la diète. Il dépend de nous que nous donnions aux affections de notre corps ce que Spinoza appelle un ordre en vue de l'esprit ou en vue de l'intellect. Hein, on peut, par ne serait-ce qu'un mode de vie régulier, en évitant certaines sensations fortes ou en évitant d'avoir une vie trop chaotique, on peut, peut-être pas discipliner directement les affections du corps, mais en tout cas les ordonner en fonction de ce qui peut convenir à l'esprit, en fonction de ce qui peut en particulier favoriser les passions joyeuses. Donc cette régulation, elle s'exerce en particulier sur l'imagination, mais elle peut s'exercer directement aussi sur les expériences mêmes que le corps effectue. Il convient enfin d'observer trois règles à l'égard de Dieu. La première chose qui est préconisée par Spinoza, ça serait de rapporter les images des choses, et en particulier des choses par lesquelles nous sommes indirectement affectés, de les rapporter à l'idée de Dieu. Comprendre que toutes ces choses, tous ces événements font partie de la nature, c'est-à-dire de Dieu, hein, puisque ce qu'on appelle Dieu, ça n'est pas autre chose que la nature même des choses, la réalité dans toute son envergure. Et donc, il est aisé aux savants de disposer les choses singulières qui l'affectent dans cet ordre général et donc toujours envisager tel événement singulier ou tel état psychologique particulier sous cet angle-là, dans cette perspective englobante, en quelque sorte, qui est celle de Dieu. Alors, du coup, on peut faire de n'importe quel événement une source de joie, hein, pourvu qu'on ait été capable de le replacer dans le tout cohérent et sans faille auquel il s'intègre naturellement. Alors, cette joie qu'il y a à comprendre, tout simplement, hein, le cours des choses, et à comprendre que ce qui nous arrive et qui nous affectait tristement fait partie de ce cours des choses, cette joie, elle est donc accompagnée de l'idée d'une chose extérieure qui est Dieu. Et donc, en s'habituant à rapporter ainsi les choses auxquelles nous avons affaire à l'idée de Dieu, on aime d'autant plus Dieu. Et c'est évidemment l'amour de Dieu qui constitue pour Spinoza l'affect le plus intéressant, en tout cas celui qu'il faut stimuler et développer. D'autant que cet amour n'est pas une passion, hein, puisqu'il s'accroît de l'activité même de l'âme, de l'effort qu'elle fait pour comprendre le monde, en particulier comprendre et, son corps et en régulariser l'expérience, se comprendre elle-même. Voilà, toute activité de l'âme bien orientée, orientée selon les exigences de la raison, renforce cet amour de Dieu. Alors pourquoi est-ce que l'amour de Dieu est source exclusivement de joie? Eh bien, parce que c'est un amour sans espoir ni crainte. L'amour d'Albertine me rend infiniment malheureux parce que aimer, en tout cas, aimer en mode masculin, c'est vouloir être aimé. Hein. S'efforcer d'être aimé par l'autre et vouloir être uni avec lui. Or, l'autre n'a pas les mêmes sentiments que nous et nous sommes seuls. Bon.
Donc c'est à peu près peine perdue. Enfin là, je me réfère évidemment à l'analyse proustienne. De Dieu, il n'y a rien à attendre. Bien entendu, il ne lui manque rien. Il n'éprouve pas de désir. Hein, il est toute perfection. Donc Dieu n'aime personne. Hein. Et c'est très rassurant d'aimer quelqu'un qui n'aime personne, puisque au moins on va être privé de la possibilité même de la jalousie et de l'envie, puisqu'il n'aime personne plus que moi, hein, ça me suffit largement. Mais Dieu ne hait personne, il est absolument incapable d'éprouver une tristesse quelconque, fût-elle associée à une chose extérieure ou pas. Bah, d'abord parce qu'il n'y a pas de chose qui lui soit extérieure, Dieu est l'ensemble de la réalité, et d'autre part, il n'éprouve pas de sentiments. Donc cette impassibilité absolue de Dieu en fait l'objet d'amour idéal, si je puis dire, cette idole obscure, impénétrable, à laquelle je peux consacrer une dévotion absolue, et d'autant plus confiante qu'elle est dépourvue d'espoir comme de crainte, les deux étant d'ailleurs facteurs de tristesse et de flottement de l'âme. Alors, le fin du fin, et ça me fera la transition vers le thème politique, c'est que cet amour pour Dieu, cet amour envers Dieu, peut être commun à tous les hommes. Et que plus on se perfectionne, si j'ose dire, dans cette voie de l'amour envers Dieu, et plus on peut, puisqu'ici il n'y a pas question de jalousie, d'envie, de pitié, enfin de tous les moteurs affectifs de la discorde entre les hommes, là on peut, sur cette base-là, communier, si le terme est envisageable, Spinoza ne l'emploie pas à ma connaissance, mais on peut partager sans réserve cet amour envers Dieu avec tous les autres hommes, et on peut même envisager d'en faire la base d'un lien social ou communautaire exempt d'arrière-pensée ou de sentiment hostile. Alors, c'est dire si l'éthique spinozienne nous donne la tentation d'un prolongement dans la direction non seulement du théologique, mais aussi du politique. Alors, il y a une pensée politique de Spinoza, mais il m'a paru intéressant de voir l'usage que fait aujourd'hui de l'éthique, et pas simplement de la pensée politique de Spinoza, mais bien du décortiquage des mécanismes affectifs auxquels procède Spinoza dans l'éthique, l'usage qu'en fait un contemporain intéressant, qui est Frédéric Lordon. Alors, Frédéric Lordon, c'était un économiste qui s'est tourné vers la sociologie, et qui, constatant l'importance des affects dans la vie sociale, s'est tourné vers la philosophie, en l'occurrence celle de Spinoza, et donc maintenant il est considéré comme un philosophe politique. Donc quand il était converti à la sociologie, il a publié il y a quelques années « La société des affects », qui est une tentative d'interprétation des phénomènes sociaux contemporains en fonction de la grille de lecture éthique de Spinoza. Et il y a quelques mois, en octobre 2016, il a publié « Les affects de la politique », donc il y a un prolongement en philosophie politique de l'usage assez éclairant que fait Frédéric Lordon de l'éthique spinozienne. Alors, par ailleurs, Frédéric Lordon a des velléités d'action ou d'influence. Enfin, il a été dénoncé par Le Monde, je crois, comme étant le chef d'orchestre clandestin de « Nuit debout », qui a paru à certains comme une forme intéressante ou horrible de sédition. Mais il est vrai, ça on peut le reconnaître, que la perspective dans laquelle Frédéric Lordon réfléchit sur le rôle des affects dans la vie politique, c'est une perspective séditieuse, pour employer un terme de Spinoza, on pourrait dire révolutionnaire, si on y tenait. Alors, il faut envisager deux choses. D'abord, le rapport que les gouvernants ont avec les affects, et puis le potentiel de critique radicale ou d'insurrection que peuvent entretenir nos affects. En quoi ils peuvent être utilisés pour nous soumettre, et en quoi nous pouvons compter sur eux pour déclencher une offensive libératrice. Du point de vue des gouvernants, d'abord, ce que remarque Frédéric Lordon, c'est qu'ils sont désaffectés. Ils se sont désaffectés en se mettant à l'abri de statistiques, ce qui fait qu'ils n'éprouvent pas d'émotion et qu'en particulier, ils n'ont pas pitié de ceux auxquels s'appliquent leurs décisions. Frédéric Lordon oppose
en s'inspirant d'un texte du philosophe moral François Julien, il oppose à l'attitude des dirigeants de l'Union européenne et des membres du Conseil européen, hein, qui transcrivent et déguisent nos souffrances en taux statistiques, hein, taux de suicide, taux de pauvreté, taux de famille monoparentale, enfin tous les taux qui augmentent, et puis de l'autre côté, taux d'emploi, niveau de quotient intellectuel, etc., les taux qui baissent. Bon, y a les taux qui augmentent et les taux qui baissent. On ne va pas en faire un drame, ça ne va pas nous ébranler profondément. Il oppose à cela l'attitude de l'empereur romain, qui a demandé qu'un bœuf soit immolé en sacrifice à une divinité, et qui, par hasard, croise ce bœuf sur son chemin. Et ce qu'il lit dans le regard du bœuf, l'expérience de la croisée des regards, l'émeut suffisamment pour qu'il gracie le bœuf et fasse sacrifier un mouton à la place. Alors, on pourrait souhaiter que le mouton aussi se trouve sur le chemin et que l'empereur soit affecté et se montre clément aussi vis-à-vis du mouton. Mais en tout cas, l'empereur romain, contrairement au commissaire européen, c'est quelqu'un qui est au contact de ces sujets. Il lui arrive de les croiser dans la rue, au lieu d'être condamné à ne croiser que ses semblables dans les halls d'aéroport, encore avec chacun sa tablette, qui l'isole des autres et de la réalité. Et donc cette expérience du regard est un garde-fou contre la tyrannie, contre l'excès de pouvoir. Donc on peut au moins en tirer comme recommandation politique positive, l'éloge de la subsidiarité, de la proximité, du local et la méfiance à l'égard des grandes structures pyramidales dans lesquelles la norme est moulinée sans référence à la chair des gouvernés et aux passions qui peuvent surgir au recès de cette chair. Mais du coup, nos dirigeants désaffectés, dépassionnés, ne savent pas comment nous fonctionnons. Donc ils ont entendu dire que nous fonctionnions à l'affect et cherchent à scruter nos affects. La question qu'on se pose en haut, c'est qu'est-ce que ça va leur faire ? Comment ils vont réagir ? Sous-entendu, comment est-ce qu'on va faire pour empêcher qu'ils réagissent comme des gens passionnels, affectés, sensibles ? D'où un instrument de gouvernement, ou de gouvernance, comme on dit, quand on est très 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 loin des gouvernés, un instrument très répandu aujourd'hui qui est les sondages, qui cherche à mesurer les réactions affectives des gouvernés au traitement qui leur est infligé, ou pour essayer au moins de déminer certaines réactions ulcérées. Alors, Frédéric Lordon parle d'affectométrie ou de pathoscopie permanente et générale, qui d'ailleurs n'est pas une science exacte, parce qu'une des leçons qu'on peut tirer de Spinoza, c'est que l'affectivité n'est pas toujours la même. D'un exemplaire de l'humanité à un autre, on l'a vu, parce que nous sommes semblables mais différents, on n'est pas affecté de la même manière, au même moment, par la même chose. Voilà, nous n'avons pas la même sensibilité. Nous avons en commun d'être sensibles et passionnés, mais pas forcément de la même manière. Donc il y a une variété passionnelle. Et d'un autre côté, aux différents âges de sa vie, un individu n'a pas les mêmes réactions aux affections qui surviennent à son corps. Donc il y a une variabilité à l'intérieur même de l'individu, suivant les âges de la vie. Frédéric Lordon parle donc de variété synchronique et de variabilité diachronique, pour dire voilà, le même individu, à différentes espèces différentes époques de sa vie, a une sensibilité différente, et puis à l'instant T, d'un individu à l'autre, ça varie. Donc la pathoscopie et l'affectométrie sont plutôt des fétiches avec lesquels les gouvernants tentent de se rassurer, mais ils sont généralement pris de court par les réactions affectives réelles des individus de chair. Alors, il n'empêche que, pour l'heure, il y a une passion sociale commune qui fait bien les affaires de l'État, d'après Frédéric Lordon, c'est la terreur. Et donc, il scrute l'usage que peut faire l'État de la terreur dans laquelle nous plonge le brigandage islamiste, dans la mesure où cet affect commun nous lie les uns aux autres, et ça, c'est peut-être pas un mal, mais il nous lie aussi à l'État en nous faisant nous tourner vers lui avec l'espoir qu'il pourra nous protéger. Et donc, là encore, le champ des possibles est assez ouvert.
Le peuple et son État vont-ils se livrer aux actions vengeresses, vindicatives et immédiates, à la bouche ? Vont-ils au contraire serrer les dents et être unis dans l'épreuve jusqu'à trouver les vrais coupables et les châtier ? Ça peut être l'un comme l'autre, c'est pas écrit d'avance. Mais en tout cas, ce qui est incontestable aux yeux de Frédéric Lordon, c'est que la terreur incite à l'obéissance aux dirigeants et même à la confiance envers eux. Hein, d'où la tentation pour ces dirigeants eux-mêmes hein, de s'opposer aux efforts du philosophe pour comprendre la réalité humaine, y compris dans ses formes criminelles les plus scélérates, et la comprendre, pas pour la déplorer, pas pour en rire, hein, mais pour parvenir à s'en former une idée claire et distincte. Hein. Et je pense à ce Premier ministre qui disait que chercher à comprendre, c'est déjà excusé, hein, qui voulait prolonger par l'obscurantisme et l'intimidation l'effet de sidération hein, et la confiance qui peut en découler, confiance aveugle dans les dirigeants parce qu'ils sont les dirigeants. Alors, dans une perspective émancipatrice, que faire des affects et comment les combiner avec des idées, présentant un potentiel émancipateur ? Les idées ne menant pas le monde, mais seulement si elles sont véhiculées par des affects, il faut arriver à susciter ces affects. Ça ne marche pas toujours. Frédéric Lordon remarque qu'en dehors des cercles savants, l'idée de la catastrophe climatique n'est pas ce qu'il appelle une idée affectante. Le commun des mortels, si vous lui dites que dans 20 ans, la température sur Terre sera de 2 ou 3 degrés supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, va réagir à la Trump, en disant ben voilà, j'ai plus besoin de chauffer ma piscine. Enfin, bon. 2 ou 3 degrés de plus, ça n'est pas une image affectante. Ça ne fait pas frémir. Pour ma part, ma prise de conscience est née même pas de la perspective de l'imagination du renversement, de l'inversion du Gulf Stream, etc. C'est encore trop abstrait pour un esprit faible comme le mien. C'est l'idée de la disparition du Bangladesh suite à l'augmentation du niveau des eaux. Ça suscite en moi une image suffisamment vive pour que je sois affecté et que je me dise qu'il faut faire quelque chose. Mais c'est une affaire de complexion, hein, de constitution interne. Selon son imagination, selon sa sensibilité, tel ou tel pourra aussi rester indifférent à l'idée que les habitants du Bangladesh seront tous noyés. Bon. Le problème des militants, hein, c'est de susciter une émotion collective partagée assez largement pour qu'elle suscite une prise de conscience et un effort orienté vers l'action. Et ça n'est pas si aisé. D'où le rôle des activistes, hein, qui cherchent à impressionner, hein, ou comme on dit aujourd'hui dans le jargon des gouvernants, à imprimer, qui cherchent donc à susciter dans l'imagination de leurs contemporains des images suffisamment fortes pour enclencher un processus de réflexion et éventuellement faire passer à l'acte. Alors, comment font ces activistes ? Eh bien, ils doivent s'agiter de toutes les manières pour impressionner la grande machine affectante, hein, qui est la machine médiatique. Mais il y a énormément d'activistes de toutes sortes qui, en même temps, cherchent à actionner la machine imageante. Et du coup, la concurrence est sévère. Hein, donc il faut beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de répétitions, beaucoup d'astuces aussi pour arriver à quelque chose. Et bien sûr, il y a le recours à l'homme charismatique, hein, celui que la multitude investit de pouvoir, sans forcément le savoir, et la multitude retrouve à ce moment-là, dans une espèce de mouvement circulaire inconscient, elle retrouve dans la figure de l'homme charismatique le pouvoir dont elle l'a elle-même investi, et alors à ce moment-là, elle se laisse conduire par l'homme charismatique à des décisions intéressantes. Mais sauf que, aussi on pourrait objecter à Frédéric Lordon que s'agissant de la catastrophe climatique, par exemple, l'homme charismatique n'est pas encore parmi nous. Hein, Antoine Wächter ou Dominique Voynet sont très estimables, mais n'ont pas suscité la même ferveur hein, que les entrepreneurs de morale ou les croisés d'autres causes hein, que celle de la catastrophe climatique. Dernier point. C'est l'indignation. Alors Frédéric Lordon sait bien que l'indignation est aux yeux de Spinoza une passion triste à laquelle il ne faut surtout pas céder. Donc c'est la,
la tristesse accompagnée de l'idée d'un mal fait à autrui, hein, et donc c'est la haine pour celui qui fait du mal à autrui. Mais en même temps, Spinoza, dans le traité politique, a constaté que nous avons des seuils passionnels, des seuils sensibles qui ne peuvent pas être dépassés. Nous sommes parfois contraints par une causalité nécessaire à nous révolter contre l'inacceptable. Hein. Ça n'est pas parce que j'ai le droit de faire ce que je veux d'une table, dit-il, que j'ai le droit d'exiger d'elle qu'elle se mette à brouter de l'herbe. Hein. Je peux dormir dessus, je peux manger dessus, je peux déposer des fleurs dessus, mais si je prétends avoir le droit de lui faire brouter de l'herbe, ça ne marchera pas. Quand il dit droit, ça veut dire puissance. On a autant de droits sur une table ou sur un troupeau humain qu'on a de puissance pour le contraindre et en user. Et donc, il y a comme ça la possibilité que les gouvernements tyranniques suscitent une indignation commune chez leurs sujets lorsque, par exemple, ils exigent d'eux qu'ils croient que Dieu n'existe pas. Ou que le tout est plus petit que la partie, ou qu'ils s'envolent, ou qu'ils portent témoignage contre eux-mêmes ou contre leurs proches. Donc Spinoza est celui qui nous donne à penser, et c'est vecteur, je crois, d'un certain optimisme, que la violation des régularités de base de la sensibilité humaine entraîne les mêmes impossibilités, et du coup, si on tente de le faire, le même échec, que la violation des principes de base de la physique ou de la logique. Mais ça suppose qu'il y a un même ordre causal qui s'applique en effet aux réalités intelligibles, au corps et au domaine des affects, ce qui ne convaincra peut-être pas tout le monde. Reste que ces seuils existeraient et qu'ils seraient franchis. Alors, il n'a pas suffi pour les franchir, même si c'était l'espoir de Frédéric Lordon, que quelqu'un qui avait réussi sa vie dise à quelqu'un qui n'était rien « Si tu veux un costard, t'as qu'à travailler. » Pour moi, ça suffit. Voilà. Ça crée une impossibilité d'estime, d'approbation, de vote, etc. Mais bon, pour les autres, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas eu le même effet que le casse-toi pauvre con qui avait écarté comme ça toute une partie du corps électoral d'un homme politique. Mais enfin, telle offense, telle violation du droit, de la morale, de la décence, pourra peut-être un jour provoquer une sédition. Puisque ce qui se passe quand on est ainsi provoqué au-delà même des limites, c'est que tout simplement les gouvernants perdent toute prise sur les gouvernés. En proie à l'indignation, ceux-ci cessent d'obéir, parce qu'on ne peut les faire obéir que par la crainte, et ils sont au-delà de la crainte. Tout, mais pas ça. Voilà le genre d'émotion qui peut déclencher prise de conscience et prise d'armes, non, prise pacifique de la place de la République, bon, pour réinventer une forme de lien social communautaire. Voilà, aussi bien au plan éthique qu'au plan politique, j'ai essayé de vous tracer des chemins étroits et n'allant pas loin, mais allant dans la bonne direction, je ne sais pas si vous en serez plus joyeux pour autant. La tristesse a-t-elle vraiment disparu de l'horizon ? Alors, je conclurai en donnant la parole à Spinoza et au scoli de la 18e proposition de la 5e partie de l'éthique, qui est la réponse à une objection un peu théologique. Là, Dieu est cause de tout, donc il est cause de la tristesse. Vous osez dire ça, Spinoza ? Dieu est la cause de ma tristesse. Mais oui, bien sûr, puisqu'il est, en effet, cause de tout, et donc indirectement, de ma tristesse. Sauf que d'avoir compris quelle était la cause de ma tristesse, mais je ne suis plus triste, et d'avoir compris que la cause de ma tristesse, c'était Dieu, je suis joyeux. Donc je conclurai là-dessus, sur la phrase même de Spinoza, du simple fait que nous savons que Dieu est cause de notre tristesse, par là même, nous sommes joyeux. Merci de votre attention.